si jamais il savait pas qu'on est en couple, ça veut dire que c'est toi la bitch dans l'histoire. Là, ça veut dire que lui, il est au courant. Donc lui, c'est un gros fils de chien, en fait. C'est le fils de son père, le caniche. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer pour le pourquoi, du comment et ce qui s'est passé. On a reçu beaucoup de plaintes d'un voisin pensant qu'il y a un enfant qui vit dans une camionnette à l'arrière d'un camion. Donc au début, on n'y a pas forcément cru. Et on s'est dit, bon, on va voir si c'est vrai tout ça. On a demandé aux gens de nous envoyer des photos et des vidéos. On entendait dans le son de la vidéo des gémissements d'un enfant. On s'y est rendu, on s'est mis en caméra cachée pour voir ce qui se passait. On est allé sur place, on a vu le camion, on a trouvé le camion avec l'adresse. Et on a vu que, effectivement, c'était pas des blagues. Il y avait vraiment un enfant à l'arrière de ce camion. Vous allez voir comment ça s'est passé, ce qu'on a fait et pourquoi on a réagi comme ça. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous n'êtes pas trop sensible. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Il y a un mec qui arrive. Je suis sur le daron. Ah ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis ici? Ferme ta gueule. Dors et ferme ta gueule. Comment ça dort, le chien? Tintin, il pleure, le chien. Ah ouais, c'est chaud, frère. Tintin? Il a pas le droit. Tintin, il a pas. Vas-y, gros, vas-y. Attends, attends. Ah putain, ça fait glace, ça fait mal au cœur. C'est un petit ou une femme, gros? C'est un petit, c'est un petit. C'est chaud. Ah, ça va être bâtard, le chien. Bon les amis, là ce qu'on vient de voir, voilà, ben, ça prouve bien l'existence d'un enfant dans un camion. Est-ce que le petit il y reste la nuit? Est-ce qu'il y reste que l'après-midi? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est pas des lol. Il y a vraiment le camion à l'endroit où on nous l'a dit, avec le père. Depuis tout à l'heure on est là les gars, depuis tout à l'heure on attend, en espérant de voir quelque chose. Et là quand le père est arrivé, qu'on a vu ouvrir le camion et que j'ai entendu le petit crier après, c'est sûr qu'il y a un enfant dans le camion. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en caméra cachée. Je vais garder le téléphone avec moi parce que c'était même pas une vidéo que j'avais prévue les gars. Je suis en train de filmer au téléphone et d'enregistrer avec un téléphone portable. D'habitude vous savez j'ai toujours mes trucs, mes enregistreurs vocaux, j'ai toujours une caméra, j'ai toujours mon caméraman. Là c'est donné à la caméra, on est que tous les deux. C'est un cas d'extrême urgence. Donc on va y aller, on attend que le père rentre bien hein, et qu'il soit pas dans sur les lieux. Et on va essayer d'ouvrir le camion, de forcer l'ouverture du camion pour sortir le petit d'ici. Si on n'y arrive pas, dans tous les cas, on repartira pas sans enfant, c'est sûr. Donc si même on n'arrive pas à ouvrir le camion, on attend que le père arrive et on attrapera le père et on fera sortir l'enfant à ce moment-là. Donc on va voir ce qui se passe et on reprend la caméra juste après. Je vais y aller direct, frérot. Direct. Allez, j'y vais. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. C'est qui à l'intérieur? C'est votre fils? De quoi? C'est votre fils à l'intérieur? Il y a quelqu'un à l'intérieur, d'accord. Vous sortez ce qu'il y a à l'intérieur, s'il vous plaît? C'est mon chien qui est dedans. Pourquoi tu filmes? Pourquoi je filme? Parce que... Pourquoi tu filmes? Pour avoir des preuves. C'est quoi ça? Pour avoir des preuves. Pourquoi tu filmes quoi? C'est mon chien. C'est un chien qui parle? Ouais. Mais mes chiens. Laisse pas là-dedans. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Non, je trouve pas, tu vas faire quoi? Si tu ouvres pas le camion, j'appelle les flics de suite. Appelle-les. Ah, tu veux j'appelle les flics? Appelle-les. Tu as raison, c'est mieux qu'un coup de tête. J'appelle. Vas-y. Non, j'appelle les flics, c'est bon, c'est bon. C'est bon quoi? Je t'ouvre. Allez, ouvre. Vas-y, sinon. Ne raccroche pas. Vas-y, ouvre. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ah non, c'est pas possible. Non, j'ai jamais vu ça. T'as froid. Mino. Ça va? C'est ton fils? Ouais. C'est ton fils? Il est là ton père. Pourquoi tu mets le petit là? Tu m'expliques? Ah, je le voulais pas moi. Le petit fait carnage frère. J'ai pas que ça à faire. Je ne dis pas frère déjà, je suis pas ton frère. Comment tu t'appelles? Maxime. Maxime, tu as quel âge? Je vais sur mes 14 ans. Oh, tu vas où? Viens ici. Oh, c'est taille. Frérot, on a ta plaque d'immatriculation. Et on a les images. Ne pars pas un conseil, d'accord? C'est ton père le monsieur? Le monsieur qui t'enferme, c'est ton père ou pas? Oui, lui, c'est mon père. Et tout le temps, tu dors ici? C'est ta chambre, ça? Mais ça fait presque un an que je dors ici. Ça fait un an que le petit dort là?
Depuis que ma mère m'a quitté, je suis avec mon père. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon pipi ça et pue, mon caca. C'est quoi? Quoi? Mon pipi et mon caca. Non, alors là, écoute-moi. Non, attends, alors écoute-moi. Non, écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, on va vite aller au commissariat parce que je vais t'arracher la carte. Tu as compris? Tu as compris? Tranquille. Non, 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 y'a pas de tranquille. Ce que tu es en train de faire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Prenez le petit. Non, y'a pas de prendre le petit. C'est qu'à un moment donné, il a pas à être là-dedans, le petit. Maxime. Là, tu fais quoi? Oh, il fait quoi là? Ah, allez. Qu'est-ce qu'il y a dans le photo? Bah, fais gaffe, gros. T'as une sorte de couteau ou quoi? Tu as vu la voiture qu'il y a là-bas, au fond? Va dans la voiture, s'il te plaît. Va dans la voiture. Ça, je vais te la faire manger. La pisse et la merde du petit, je vais te la faire manger. Je vais te la jeter dessus. Tu veux que je te la jette dessus? Tu veux? Non, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ramènes rien. C'est facile de faire le bonhomme avec les petits, avec les enfants. Hein, c'est facile. Tu sais qui c'est qui nous a prévenu? C'est une voisine. Quelle voisine? Une voisine. Qui? Une voisine quand t'as le petit pleurer sans arrêt. Une voisine, justement. J'y croyais pas jusqu'à ce que je te vois donner à manger au petit et qu'il entende crier. Donne-moi les clés du camion. Allez hop. Non, je m'en fous, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Parce que tu fais le mac avec des enfants, toi, vas-y. Vas-y, monte dans le camion, enlève-moi tout ça. Voilà. Enlève-moi les trucs, nettoie. Voilà. Et allez, maintenant, nickel. Allez, c'est bon. C'est fermé là? C'est fermé, regarde. C'est fermé. Mais c'est fermé, hein. Ouais, écoute-moi, oh. Tu vas rester ici pendant un moment, ok? Ah, si. Oh, tu appelles les condés, viens nous chercher. Je vais appeler les flics, ils vont venir chercher ici, d'accord? Les clés. On va les dégager là. Ouais. Nous, on va vite se tailler. Si c'est que de moi, les gars, il n'y a pas de sentence à faire. Non, non. Là, faut les... C'est soit je l'éclate, soit j'appelle les flics. On va prendre l'enfant, on va l'amener au commissariat. Et lui, on va le laisser là et on va appeler, on va donner rendez-vous aux flics ici. Et on va lui dire de venir le récupérer. Voilà. Allez, viens, stay. Bro, tu as été gentil, frère. Très. Gros, ne me dis pas ça, je vais le frapper. Non, non, en mais fait, non, ne me dis pas ça parce qu'on va filmer la clé. Mais tu sais que j'ai envie, gros. Si j'ai avec tes, j'ai envie. Quoi, on le défonce alors? On y va, on éclate. J'ai envie, gros. Mais viens, on y va. Mais non, mais on peut pas faire ça, on a filmé et tout. Tu vois ce que je veux dire? On va avoir des problèmes, nous, ou alors que là, tu sais quoi? Mais j'ai envie de faire sa merde, je te jure. Non, en fait, gros, il y avait pas la caméra, ça aurait été différent. Mais là, c'est filmé, c'est propre. Au moins, s'il y a un problème, on a les preuves, on a tout. Viens, on appelle les flics. On appelle les frères. C'est que demain, je vais l'éclater. On va appeler les flics, les amis. Et on va leur donner rendez-vous. On va vite amener le petit. On va lui donner à boire, à manger. Parce qu'à mon avis, il doit crever de faim. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu pour des chiens, des animaux, j'ai vu. Mais pour des enfants, jamais. Allez, venez, on bouge. Maxime? D'accord. On va t'emmener au commissariat. D'accord. Et le commissariat, on va leur montrer les images pour qu'un eux ils puissent faire ce qu'il faut avec la DAS ou une famille d'accueil ou n'importe quoi, d'accord? D'accord. Il faut pas qu'ils restent comme ça, qu'ils restent impunis. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que, je vais te poser une question. Est-ce que ton père il a déjà eu des attouchements avec toi? Est-ce qu'il t'a déjà tripoté? Non, mais quand je travaillais mal à l'école, il me faisait dormir dans le cadre le week-end. D'accord, mais là on n'est pas le week-end, on est en pleine semaine. Pourquoi tu étais dans le camion? Souvent dans le camion? Oui. Parce que j'ai vu, t'avais une sorte de table basse. Oui. Tu pouvais même pas sortir, quoi, du camion. Non. J'essayais tous les jours de trafiquer la porte, mais ça s'ouvrait pas. Et non, ça s'ouvrait pas, il avait tout fermé avec la. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui qui est dans le camion. Oui. Bon, écoute-moi, ta maman, elle est où? J'en ai pas. T'as pas de maman? Non. Bon, écoute ce qu'on va faire. On va au commissariat. Oui. Je vais leur expliquer l'histoire, je vais leur montrer les vidéos. Là, ton père, à mon avis, doit être avec la police déjà. On va au commissariat et on voit comment ça se passe. Et même si moi, je reste pas au commissariat, tu seras entre de bonnes mains, d'accord? Donc, le plus important, c'est le petit. On l'amène au commissariat et je vous donnerai des nouvelles très, très vite. Ben, allez sur Instagram, allez sur mon compte Instagram. Il s'affiche juste en bas. Je vous donnerai des nouvelles du petit Maxime. On prendra une photo avec lui. Et sur ce poste, je vous mettrai exactement ce qu'il en est. Voilà, si le petit il a été bien encadré dans une famille d'accueil ou autre. Je vous dirai tout, donc rendez-vous sur Instagram pour voir les nouvelles du petit Maxime. Et je mettrai une photo avec lui. Voilà. Ça va, tu as mal au pied? Ouais. Attends. Viens. On va le commissariat, il est juste là, regarde. Bouge pas, tiens. Quoi? Même les chaussures. Même si tu reviens un peu grande, c'est pas grave. Si tu as mal au pied, vas-y, tiens. Mes chaussures, je l'entends pas.
Ismaël, je vais t'amener au commissariat, ok? Oui. Le commissariat va s'occuper de toi. Tu gardes les chaussures, je te les donne. Oui. D'accord? Merci. Je t'achèterai les mêmes. Oui. Et nous, on va s'occuper de ton père, d'accord? Ça va, merci. Ouais, non, t'inquiète pas. Mais tu n'as pas peur, d'accord? Ils vont bien s'occuper de toi. Oui, okay. J'espère.